Je commence peut-être par l'extrême droite, mais ce n'est qu'un hasard. Et je donc passe le micro à Rosy Valdo Cordero, qui est guitariste, producteur. Il est ambassadeur culturel. Tu peux tester si le micro fonctionne. Ça a l'air de fonctionner, ça ne fonctionne pas, mais ça va fonctionner très très bientôt. Il est ambassadeur culturel de l'État d'Amazonas, c'est-à-dire l'État qui au Brésil est au centre de l'Amazonie. Et il vit en France depuis, enfin il vit moitié de l'année en France, moitié de l'année au Brésil. J'occupe le temps que le micro fonctionne, tu fais le signe dès que ça marche. Il passe donc la moitié de son année en France et il est ambassadeur culturel. Et Rosy Valdo, la question que j'aimerais te poser, si ton micro finit par marcher, et sinon on va se passer comme ça, c'est l'été dernier, nous les Français, on a beaucoup, on a beaucoup regardé des images de la forêt qui brûlait. Est-ce que toi, tu les as vues? Où est-ce que tu étais quand elles ont... Fonctionne. Ah, ça fonctionne. Ok. Où est-ce que toi, tu étais? Qu'est-ce que tu faisais quand tu as vu ces images? Est-ce que tu les as vues? Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Quels ont été tes sentiments? Voilà, qu'on écoute un petit peu les artistes amazoniens. Ok. Bonsoir à tous. Je vais vous parler un petit peu de moi. J'habite en France depuis 2016 et j'ai développé un travail, un projet avec la France et l'Amazonie qui s'appelle Connexionar. Et je fais à chaque deux ans, j'invite à Manaus des artistes français qui font du travail, qui font des projets avec moi. Et j'invite à faire une résidence artistique à Manaus et j'ai écrit des arrangements. Pour jouer avec l'Orchestre Philharmonique des Jeunes à Manaus, qui s'appelle Orchestre Expérimental. Et j'ai fait l'année dernière, 2018, la première édition là-bas. Et en fait, en 1996, j'ai participé ici en France de l'enregistrement d'un super tube de l'époque, le Tic Tic Tac, avec le groupe Carrapicho, qui fait un grand succès dans le monde entier. Pour parler un petit peu de cette. Certo fenômeno que acontece, que se passa ao Brasil, à Amazônia, ele há dois tipos de regar por moi que eu sou em Manaus. Por moi, a Manaus é a região de Amazonas, notre état, l'état de Amazonas, c'est um état que plus défendre la préservation de notre forêt. E todo mundo pouvait regarder ça. En fait, le milieu du Brésil, il y a beaucoup de fermes, comme le propre film passe, né, de l'agriculture plus fort là-bas. Et ça, cette région qui se passe cette situation terrible au Brésil aujourd'hui, qui brûle la forêt. Et l'autre partie encore, au sud du Pará, de l'état du Pará, c'est très, 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 très forte cette situation. Et il y a à Manaus, simplement à Manaus, la région urbaine de Manaus, il y a un phénomène qui, pendant l'été, la terre sèche et se brûle de forêt qui est sec, jusqu'à côté de des habitations encore et de petites villes et qui commence à faire beaucoup de fumée dans la forêt et de temps en temps se passe ça sur la partie de Manaus, da ville de Manaus encore, mais cette partie qui se passe tout le monde que l'Amazônia brûle. C'est, je pense, de pour moi, qu'il y a, comment je peux dire, c'est sensationnalisme, c'est dire ça, de la part de journalistes qui connaissent pas vraiment la vérité de ce qui se passe la vie amazonienne. Justement, on va essayer de fouiller un petit peu la vérité
de la vie en Amazonie. Yann, qui est à côté, est originaire donc de Guyane. Est-ce que tu peux nous expliquer ton lien à l'Amazonie et puis ce que toi tu faisais quand nous on regardait ces images et ce que toi tu as ressenti, ce que tu t'es dit à ce moment-là? Un immense sentiment de perte. Pas du gâchis, une perte individuelle, une perte collective. J'étais en Guyane, et pour qui n'a pas passé une nuit en forêt amazonienne, cette perte peut paraître un peu filmographique. Pour qui n'a pas entendu les bruits de la forêt, qui n'a pas senti l'odeur, l'humidité, l'hydrométrie, le magnétisme que peut dégager la forêt amazonienne, c'est vrai que ça reste filmographique, ça reste un peu onirique, ça reste de l'ordre de l'impalpable. Mais c'est une réalité, c'est une réalité qui nous rattrape. J'ai été assez choqué d'ailleurs de constater qu'en 40 ans, 20% de la population, pour moi les arbres sont des humains quasiment, 20% il y a eu 20% de déforestation en Amazonie. Pour préciser mon propos, je suis originaire de Guyane française et métis amérindien de la tribu des Tékos et créole, donc amérindien du côté maternel, et on est de ce côté de ma famille, on est originaire de l'Oyapock, c'est-à-dire vraiment à l'extrême est de la Guyane, à la frontière brésilienne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que les frontières ont été dessinées comme ça, à grands traits, sur des cartes comme ça, mais que finalement il y a très très peu de frontières quand on est sur ces territoires. De la même manière qu'à l'extrême ouest de la Guyane, la frontière avec le Suriname est juste en fait un fleuve à nouveau. Voilà, la question, pardon. Non, tu y as répondu, ton rapport à l'Amazonie et ta réaction au moment où nous, qui en sommes loin, nous voyons ces images-là, tu me l'as dit, c'est une perte. Alors, il y a un deuxième facteur. Alors, il y a deux facteurs en Guyane. Le premier, c'est qu'il y a eu la création du parc amazonien en 2007, qui sanctuarise un peu et les populations, et la flore qui sont finalement qui représentent le plus grand parc d'Europe, de France bien sûr, mais d'Europe également. Et du coup, on assiste un petit peu moins à ce phénomène de déforestation, mais il y a un phénomène qui est beaucoup plus insidieux et beaucoup plus invisible, qui est celui des guérimperos qui viennent massivement du Brésil pour l'or, en fait, pour leur paillage illégal. Et leur paillage en soi, c'est pas spécialement un problème. Ce qui génère le problème, c'est l'illégalité de cet orpaillage et du coup le fait qu'il ne soit pas encadré. Et le fait qu'il ne soit pas encadré entraîne la liberté que prennent ces orpailleurs illégaux, c'est qu'ils déversent dans les fleuves, l'Oyapock, mais tant d'autres, des quantités de mercure incroyables. Et on commence à constater aujourd'hui l'impact de ce mercure, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du mercure, il y a beaucoup d'autres métaux lourds en fait, qui sont déversés dans ces eaux. Finalement, on est au milieu d'endroits censément paradisiaques, avec une eau qui est complètement altérée. Et on commence, comme je vous le disais, à voir les impacts de cette eau altérée sur les enfants qui naissent avec des déformations. Chose nouvelle, puisque jusqu'à présent, évidemment, quand on vit dans un environnement relativement sain, on est censément être en bonne santé. On est censé être en bonne santé. Là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de maladies nouvelles et qui atteignent vraiment les jeunes générations. Donc la déforestation, on y échappe encore jusqu'à présent par ce parc amazonien, mais on a effectivement d'autres problèmes qui sont liés principalement à leur paillage.
Je passe la parole à Giovanna Ticuna, qui va être traduite au fur et à mesure par Giovanna. Giovanna, donc, qui vient du cœur de l'Amazonie. Elle vit en partie à Manaus, mais elle est originaire donc, de la région des Ticuna, qui est à la région des trois frontières. Et la question est la même. Giovanna, c'est la première fois que vous venez en Europe, mais nous, en Europe, cet été, on a vu beaucoup d'images de la forêt qui brûlait. Juste une petite. Avant la question, Djuena, elle veut commencer avec un rituel. Elle veut parler dans sa langue Ticuna pour demander l'autorisation de ses ancêtres et de ses dieux. Naturellement. Numaga pachawenega pachawajega ru auri mane chatae yamai une gunua pema tachide chaugava ru tupana chor joy ni chonu gal nor pora mani nu machange man de nuata ira rape kachide ru pema chavijai ringe mamani pecheru moi ru moentima. Je ne connais pas grand monde qui puisse traduire le Ticuna en France, donc ça restera non traduit, sauf si Giovanna veut nous dire en quelques mots, un résumé en brésilien peut-être. Bon, la traduction de Ticuna, c'est elle dit bonsoir à tout le monde et elle demande la liberté, la comment je peux dire, l'autorisation de ses dieux pour être là et pouvoir parler de sa culture. Et donc la question était de savoir, cet été, pendant que nous voyions des images de l'Amazonie en train de brûler, ce qu'elle faisait. Est-ce qu'elle a su que nous voyions ces images-là et si elle les a vues, ce qu'elle en a pensé. Ça fait beaucoup de... On va traduire par petites bribes. Avant de répondre, elle va commencer avec un poème, justement, pour répondre à la question. Hoje, a floresta está triste. Aujourd'hui, la forêt est triste. Os rios estão secando. Les rivières se dessèchent. Os pássaros não cantam mais. Les oiseaux ne chantent plus. Só sabem chorar. Ils ne savent que pleurer. Céu sangra. Le ciel saigne. Céu sangra. Le ciel saigne. Os pássaros não cantam mais. Les oiseaux ne chantent plus. Só sabem chorar. Ne savent que pleurer. E as borboletas? E les papillons? Voam para longe. Volent loin. Na minha aldeia? Dans ma tribu? Na minha aldeia? Dans ma tribu? As crianças ardem febre. Les enfants brûlent de fièvre. E queimam até mesmo o sopro do pajé. Ils brûlent même le souffle du pajé. Somos sobreviventes. Nous sommes de survivants. Precisamos viver. On a besoin de survivre. Somos o grito da floresta. Nous sommes les cris de la forêt. Somos os peixes subindo a correnteza.
nous sommes les poissons que remonte la rivière, la forêt. Le courant. Somos a revoada das araras no pôr do sol. Somos le vol des araras au coucher du soleil. No pôr do sol. Le coucher du soleil. Somos os filhos dessa terra. Somos les enfants de cette terre. A floresta é nossa. La forêt est à nous. Nós somos a floresta. Nous sommes la forêt. Obrigada. Bom, primeiramente quero dizer que todos estamos aqui querendo saber um pouquinho sobre a nossa mãe natureza, a nossa Amazônia, que estava em chamas, que está em chamas, que estão precisando do apoio de vocês. Nous sommes là pour comprendre ce qui se passe. Notre forêt, elle brûle. Et à la fin, tu m'as dit, je suis OK, mais et nous, en demandant de l'aide pour savoir qu'est-ce qui se passe. Bon, quand eu estava. Quando estava acontecendo, né, é o que ele quer saber, eu estava na Amazônia participando de projeto chamado Sonora Brasil. Quando a floresta começou a brûler, ela participou de projeto Sonora Brasil. É um projeto de música. Isso. E a gente participou, a gente viu tudo acontecendo, a gente viu as chamas, a gente estava na cidade... como é o nome, Diego? A gente estava em Rondônia, quando estava pegando fogo, a gente viu as chamas, a gente passou na estrada pegando fogo, e a gente ficou muito triste com tudo isso, porque... Enquanto nós indígenas, porque ela, eu quero falar e aí ela tem que traduzir. É difícil. Ela estava em Rondônia, o estado de Rondônia, quando isso começou a brûler. Ela viu as flammes, ela cruzou, ela passou sur la route flamme, un feu. Ela viu, ela estava très, très proche. Eu sou de uma região no Amazonas chamado Alto do Rio Solimões, que já fica na fronteira com Colômbia e Peru. Ela vem da região de Alto Solimões, c'est la frontière entre la Colombie et le Pérou. Meu povo Ticuna é dessa região, e o meu povo Ticuna é o povo mais numeroso da Amazônia brasileira. Nessa área não chegou o fogo porque é por calhas de rios, né? É por rio que vai. Aconteceu muitas chamas aqui pelo Nordeste. Il y avait plus d'incendies au Nord-Est de l'Amazonie et pas dans sa région. C'est une région où il y a beaucoup de fleuves et elle vient de peuple Ticuna, c'est le peuple le plus nombreux, le peuple autochtone le plus nombreux de l'Amazonie. O fogo atingiu até uma parte do norte, que é no Pará. Alors le feu, il était au nord, à l'état du Pará. Então, enquanto nós, povos indígenas, lutamos diariamente para preservar a nossa mãe natureza, que é a nossa floresta. Le peuple autochtone de l'Amazonie, il se bat quotidiennement pour préserver la forêt.
Faço parte de movimento indígena no Amazonas. Elle fait partie du mouvement autochtone en Amazonas. Como artista, venho levantando essa luta também, divulgando pouco, falando da importância de tudo o que está acontecendo através da música. Como artista, ela defende a Amazônia através do seu trabalho. E hoje, aqui na Europa, tem grupo de grandes lideranças fazendo campanha, fazendo campanha Sangue Indígena Nenhum Gota Mais. Ela conhece o trabalho do Sangue Indígena Nenhum Gota Mais. É trabalho que se passa aqui na Europa. Isso, nossas grandes lideranças estão... En fait, on a la chance en ce moment d'avoir ce dont elle parle, c'est une délégation de leaders indigènes qui sont en France en ce moment et qui organise donc une soirée mardi soir qui s'appellera, je le prononcerai pas le nom parce que mon brésilien est affreux, mais c'est mardi soir à Paris et c'est des leaders autochtones de l'Amazonie qui sont en ce moment à Paris. Le nom, on pourrait traduire par le nom de la soirée, c'est sans indigène, sans amérindien, plus une goutte ne doit couler. Voilà. Ok, les 10 Une salle du 2e arrondissement de Paris. C'est, Google aura la réponse. Google n'a pas toutes les réponses, mais celle-là, il l'aura. Então, para só finalizar, né, eu acho que a gente está com pouco tempo, é isso? Então, essas lideranças que estão aqui fazendo essa campanha, pedindo apoio, falando de tudo que está acontecendo com os povos indígenas do Brasil, falando também da nossa política. Ces leaders autochtones qui sont ici pour parler de l'Amazonie et aussi de la politique brésilienne. A gente lutte, né, enquanto indígenas, pour préserver nos rios, nossas florestas, mantendo a nossa cultura nas nossas florestas. Enquanto isso, as pessoas não entendem por que que a gente mantém isso. Nous, en tant qu'indigènes, on se bat pour notre forêt, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi on le fait. E as pessoas querem destruir isso, né? As pessoas querem derrubar as árvores. Por exemplo, recentemente agora mataram grande guardião da floresta na região do Maranhão, líder chamado Paulino Guajajara, que estava protegendo a área, o seu território indígena, e foi assassinado pelos madeireiros. Oui, il y a beaucoup de gens qui détruisent la forêt. Récemment, il y a un leader, Paulino Guajajara, qui a été tué. Foi assassinado. Oui. Agora, dia 1º de abril, ou de novembre. Le 1er novembre. E a gente continua na luta, na resistência. On continue à lutter, à résister. E a gente se fortalece cada vez mais. Na minha região, por exemplo, lá do Alto Solimões, na minha região, por exemplo, lá na área do Alto Solimões, como é fronteira, né, com Peru e Colômbia, entra tráfico de droga, tráfico humano, tráfico de órgão, piratas que estão matando o meu povo.
dans sa région, comme c'est une région qui fait frontière avec le Pérou et la Colombie, il y a beaucoup de trafic. Trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic d'organes et des assassinats de gens de sa tribu. E se ninguém fizer nada por nós, quem vai fazer se não formos nós mesmos dar essa iniciativa? Porque com esse governo que está lá, que é o nosso presidente, ele não gosta de índio. E se personne ne fait rien pour nous, en fait, c'est à nous de le faire. Et le gouvernement, le président qui est là en ce moment, il ne fera pas parce qu'il n'aime pas les autochtones. E a gente usa a nossa força através do que a gente sabe fazer, com apoio dos nossos ancestrais, com apoio dos nossos Tupana, Joi. Tupana é Deus. Alors, alors on se bat entre nous et aussi avec la force de nos dieux. E eu quero dizer aqui para vocês, a nossa Amazônia, ela precisa de apoio. E vocês têm que dar ouvido às comunidades tradicionais que vivem ali na Amazônia. É elas que vão relatar a verdade, o que acontece na nossa Amazônia. L'Amazonie, elle a besoin d'aide et il faut écouter les peuples qui vivent là-bas, les peuples autochtones, qui, eux, ils connaissent la vérité de ce qui se passe. Porque elas que conhecem a floresta, porque elas que vivem ali dentro, elas sabem o que se passa com elas. Parce que ces tribus, elles connaissent les forêts, elles savent ce que se passe. Elles savent ce que se passe. Então, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho, né, da história. Não é muito, não muito feliz com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu acho que vocês devem acompanhar um pouco da nossa luta. Je suis très heureuse de pouvoir parler de l'Amazonie. Pas très heureuse de ce qui se passe, mais j'imagine que vous accompagnez ce qui se passe en ce moment au Brésil. Hoje, no Brasil, existem 350 povos indígenas. E 274 línguas faladas. Os povos lutam diariamente pelos seus direitos que o presidente quer tirar. Aujourd'hui au Brésil, il y a 350 tribus indigènes. Et 274 línguas indígenas faladas. Et 274 langues parlées. É por eles e pelas crianças que nós vamos continuar lutando. C'est pour ces peuples-là et pour ces enfants qu'on va se battre. E hoje esse grupo de lideranças nossos que estão aqui na Europa fazendo turnê, denunciando a PIB, COIAB, outras organizações, eles estão aqui para fortalecer, para pedir apoio de vocês, para nos apoiar lá no Brasil. Esse grupo, todos esses grupos que estão lá hoje, de povos indígenas da Amazônia, eles estão lá para nos apoiar também nessa batalha e para vos demandar de l'aide. Obrigada.
Alors je vais passer la parole, ça va pas être facile d'enchaîner après ça, Aurélien Francisco Barros. Je vais poser un peu la même question parce que je crois que le film, tu donnes une date de 2016, c'était 2017. Oui, alors tu prononces le mot 2016, donc il est sorti fin 2017. En fait, dans le film, oui, il parle d'un moment de 2016 parce que c'est des découvertes qu'ils ont faites à la fin du film. Ils ont fait une découverte qu'ils venaient de faire au moment où on a tourné. Mais on était déjà en 2017. Mais d'accord. Il avait trouvé fin 2016. Alors, toi, de la même façon, qu'est-ce que tu faisais au moment où nous, on voyait à la télévision ou dans les journaux ces images de la forêt qui brûle et ton sentiment, je peux le deviner, mais... Quand ça a commencé, on a commencé à en parler. Alors, il y a deux choses. Enfin, quand on connaît l'Amazonie, qu'on y est, on savait déjà que ça brûlait. Ça brûle tous les ans. Ça brûle tous les ans de manière naturelle. Et c'était un peu un argument du président de dire « Ah, ça brûle naturellement, c'est pas plus que les autres années. » Donc là, il y a des gros débats qui doivent être remis en question. Moi, j'ai trouvé que ça brûlait drôlement par rapport au type de climat de l'année. Ça dépend des phénomènes El Niño, en fait. Et d'un point de vue climatique, c'est bizarre que ça ait brûlé autant. Après, les scientifiques, j'aime bien avoir les rapports des scientifiques c'est mon travail aussi de documentariste, de journaliste, d'attendre aussi les bonnes réponses. Mais pour l'instant, moi, je trouve que c'est le nombre, en tout cas, et l'ampleur des feux. Même si c'est l'époque qu'on appelle l'estiage, donc l'époque où il y a plus de feu, il y avait vraiment beaucoup de feu par rapport au feu qu'il y a naturellement. Après, moi j'étais à ce moment-là, moi j'étais en France, et parce que maintenant je vis surtout en France, mais j'ai vécu longtemps au Brésil. J'étais en France et dans ces moments-là, on se sent loin de ce qui se passe et on est très frustré. Moi, j'avais ce sentiment-là de frustration, d'avoir envie d'en parler. Alors, la chance, c'est que mon métier me permet d'en parler. Donc, j'ai écrit des articles, j'ai participé à des émissions de radio. Donc, ça m'a aidé voilà, à en parler un petit peu. Mais après, moi, j'étais fâché après tout le monde, en fait. J'étais fâché après les gens au Brésil qui participent à cette déforestation. Mais j'étais fâché aussi, et c'est là aussi que je te rejoins un petit peu, en fait, le côté sensationnaliste. J'ai trouvé que c'est très opportuniste de la part de la France de porter ça comme un étendard, comme si on était super écolo, on était les grands défenseurs de l'environnement, les grands gardiens de la forêt. Alors que deux mois avant, le président et le français avaient signé un accord qui facilitait les échanges de soja, l'importation de soja brésilien, qui est un des gros, et de la viande brésilienne, qui sont les principaux acteurs de la déforestation. Donc, quand il y a des grands raouts internationaux où on n'invite même pas le Brésil, ça n'a rien à voir avec le président Bolsonaro, on n'invite pas un pays et on parle de son avenir. Pour moi, c'est très néocolonialiste. C'est la seule chose, le seul mot que j'ai entendu qui me soit venu à ce moment-là. Et c'est aussi, ça m'énerve qu'on parle de l'avenir d'un pays sans le faire venir. Et ça m'énerve qu'on en parle pendant cette grande réunion des grands de ce monde. Et après, on n'en parle plus, on fait pas le service après-vente. Donc moi, ça m'énerve beaucoup aussi. C'est un sentiment, en fait, qu'on n'a pas, on s'en rend pas compte en France du grand sentiment on essaye souvent au Brésil de nous parler de l'internationalisation de l'Amazonie, de que c'est un bien mondial. On essaye d'un peu de déposséder. Et les Brésiliens sont très attachés à l'Amazonie. Et ce sentiment de que les autres pays et les grands de ce monde veuillent donner des leçons sans forcément apporter de réponse, sans forcément contribuer à la solution, c'est pas du tout. C'est un sentiment qui est très fort au Brésil. Et donc, quand il y a ça qui se passe, et au Brésil, tous les Brésiliens disent « Ah, Macron, c'est un gros con. » Non, c'est vraiment ça qui se passe. qu'il se mêle de ses affaires. Donc voilà, il y a ce sentiment-là que je partage en partie. Après, j'entends qu'il y a un problème, hein, j'en parle dans mon film, c'est quelque chose
auquel je consacre une grande partie de mon temps. Moi, ce que je sais en tout cas, et c'est pour ça que c'est très bien d'entendre des voix de l'Amazonie aujourd'hui, c'est que pour moi, une des solutions aujourd'hui, si les gens qui sont en Europe, qui sont loin de l'Amazonie, ont quelque chose à faire, c'est justement d'aider ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont porteurs de solutions, les peuples autochtones, les défenseurs de l'environnement, les ONG, la police environnementale qu'on voit dans le film notamment, qui a très très peu de moyens. Et qui, quand on est à la caméra, nous disent franchement, si tu nous trouves des fonds, on est content parce qu'on n'a plus d'argent pour mettre de l'essence dans nos bateaux. On a des gros bateaux, mais ils consomment beaucoup d'essence et l'État ne nous donne pas l'argent pour mettre de l'essence pour aller à la poursuite des défricheurs, qui eux ont beaucoup d'argent pour leur échapper. Voilà, il y a plein de choses à faire en fait, il y a plein de positions à prendre, il y a plein de choses à questionner auprès de notre pays aussi, enfin de notre pays, la France, qui sont nos choix de consommation, nos choix de partenariat, de comment on va nourrir notre bétail en France, de comment on va se nourrir. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire en ce moment. Et surtout voilà, donner les moyens à ceux qui sont sur le terrain et qui ont envie de protéger la forêt, de le faire. Alors il y aura un deuxième tour de micro, je vois Rosivaldo qui veut intervenir, mais on va passer la parole à la seule personne qui n'est pas encore parlé, c'est Olivier Guichardon, parce que le micro arrive. Donc je vous parlais de la compilation L'Amazone, et il y a une association qui s'est associée à la compilation, qui a signé la postface de cette compilation. Compilation qui parle du fleuve lui-même, l'Amazone, et donc à dissocier de l'Amazonie. Mais il nous a paru quand même difficile chez Accord Croisé de parler de ce fleuve sans évoquer la question écologique. Et donc on a associé l'association Envol Vert, et Olivier nous a rejoint. Olivier, je te laisse présenter l'association. Oui, merci beaucoup François. Bonsoir à tous. Envol Vert, c'est une asso assez récente, depuis 2011, qui soutient des projets d'alternatives à la déforestation, principalement au Pérou et en Colombie. Et en fait, ce sont toujours des projets qui sont portés par des communautés locales et qui tournent principalement autour de la technique de l'agroforesterie, et qui ont une ambition, c'est d'apporter des alternatives économiques et sociales donc à ces groupements, soit des coopératives, soit des villages, et qui vont leur permettre d'éviter de couper la forêt. Et je reviens sur ce qui a été dit plus tôt aujourd'hui et sur la question des feux de forêt. Merci Aurélien d'avoir décrit sur le pourquoi il faut protéger cette forêt. Elle est essentielle pour plein de raisons. On l'a vu de façon très détaillée sur la question du climat, mais sur la question de la biodiversité, c'est aussi de notre patrimoine aujourd'hui. Et on estime à environ 1,4 million d'espèces d'arbres et d'animaux qui vivent dans la forêt amazonienne. Chaque année, il y en a 4000 qui disparaissent, c'est-à-dire 4000 espèces endémiques qui disparaissent. Même les scientifiques n'ont même pas le temps de les étudier, qu'elles ont déjà disparu. Donc on a ce patrimoine, et on le sait qu'aujourd'hui, les plantes, il y a plus de 40% de nos, pardon, 25% de nos médicaments et tout ce qui est consommé aujourd'hui en Europe qui provient des plantes qui sont issues de la forêt. Donc on utilise la forêt pour plein de raisons, et les services rendus par la forêt aujourd'hui, ils sont pas valorisés, et c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui la forêt elle a une valeur inestimable, mais il n'y a pas de coût associé. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est on dit il faut apporter des alternatives économiques, puisqu'aujourd'hui on a des agriculteurs, des paysans qui, pour subvenir à leurs besoins, vont couper cette forêt pour mettre de l'élevage principalement. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on coupe une forêt, on l'a très bien vu, hein, quand on coupe une forêt primaire tropicale comme celle-ci, une forêt sèche, une forêt humide, bah, ça ne fait pas une prairie. En France, pour élever un bœuf, en moyenne, c'est un hectare par tête de bétail. Quand on coupe une forêt, quelle qu'elle soit, il en faut 6. Donc, bien entendu,
le rendement, il est très très pauvre. Donc il faut qu'on puisse accompagner ces populations locales à des alternatives à couper cette forêt. Après, il y a un mot qu'on a pas cité, il y en a deux, enfin si, Bolsonaro, on l'a quand même entendu, mais l'autre, c'est l'agribusiness, et Aurélien l'a très bien décrit. L'autre principale cause majeure de la déforestation, c'est le soja. Et puis on en revient à nous, notre responsabilité. Aujourd'hui, 80% du soja qui est issu du Brésil, et principalement du Brésil, mais de toute cette zone-là, il arrive en Europe sous forme de tourteaux. Et ces tourteaux de soja, ils vont principalement dans les élevages, alors principalement les élevages de volailles. Donc aujourd'hui, quand on achète de la volaille, je ne veux culpabiliser personne, parce que bien souvent, il y a un manque d'information et un manque de conscience là-dessus. Mais quand on consomme de la volaille achetée sans vraiment regarder ce qu'il y a derrière, on participe indirectement à la déforestation. Donc effectivement, je rejoins aussi ce qui a été dit sur le côté cavalier blanc de M. Macron, qui donne des leçons aux acteurs locaux. Aujourd'hui, il a fait des grands effets d'annonce en France sur ce qu'il appelle la SNDI, la stratégie nationale de déforestation importée, où l'engagement, c'est qu'il n'y ait aucun produit consommé en France qui soit issu potentiellement de cette déforestation. Aujourd'hui, ce ne sont que des engagements, il n'y a pas d'acte derrière. Mais nous, en tant qu'acteurs, consommateurs, peu importe comment on se nomme, mais en tant que citoyens, on a une vraie responsabilité à minima de savoir et de nous informer et de faire des choix éclairés. Donc, et puis on a une autre responsabilité qui est liée à ce que, comme le disait Yann, la Guyane, c'est aussi, ça fait partie de notre patrimoine. Alors, Monsieur Macron s'engage, mais le projet de Montagne d'Or en Guyane, il est toujours d'actualité. Donc, moi, quand j'ai vu les feux de forêt, quiconque est allé en forêt tropicale sait qu'une forêt, ça ne brûle pas comme ça. C'est une forêt humide, ça ne brûle pas. Il faut déjà la couper, il faut qu'elle sèche. Et ensuite, on y met le feu, on fait du brûlis. La moitié du bois qui est coupé en Amazonie, il n'est pas exploité. C'est des bois, des essences rares, c'est des produits précieux. Et ils sont juste brûlés, détruits, non utilisés. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas fâché, je suis désolé, j'ai entendu le mot fâché. Moi, je suis en colère, je suis indigné, je suis révolté par ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme l'a dit Aurélien, cette année, alors on est dans le marronnier des feux de forêt, et il n'y a pas qu'en Amazonie, la forêt de Bornéo est touchée, la forêt, le bassin du Congo est extrêmement touché aussi. Mais aujourd'hui, au Brésil, il y a un tel sentiment d'impunité par la présence de M. Bolsonaro, que tout le monde se sent autorisé à couper, à brûler de façon normale. Tout ça pour y mettre de l'élevage, pour y planter du soja et pour nourrir le marché européen. Donc, nous, on a cette responsabilité-là. On doit surtout, je pense, rester indigné. On doit s'engager, peu importe l'engagement. Il y a mille façons de s'engager. La première façon de s'engager, c'est juste peut-être de regarder les étiquettes de ce qu'on achète. Et juste peut-être pour finir, j'ai deux citations. J'ai entendu Sylvain Tesson l'autre jour à la radio qui citait quelque chose de très, très beau. Il disait notre première responsabilité, notre premier engagement, ça doit être de vénérer la nature. Parce qu'une fois qu'on la vénère, une fois qu'on l'adore et qu'on voit tous les bienfaits qu'elle nous apporte, alors bien entendu, on va la protéger. Donc on a cette responsabilité-là et les enfants nous la transmettent bien souvent maintenant parce que c'est quelque chose qui eux, il n'y a plus personne derrière eux pour sauver la planète. Donc ils ont cette énergie d'indignation beaucoup plus que notre génération. Donc on doit continuer à s'indigner et à agir, quel que soit notre niveau. Il faut être bienveillant avec nous-mêmes, il faut être exigeant, mais bienveillant avec nous-mêmes, mais on ne doit pas lâcher. La deuxième citation, je l'emprunte au lexique amoureux, je ne sais pas de qui elle est, mais qui dit « Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé plus. » Voilà. Donc peut-être vis-à-vis de la forêt, vis-à-vis de l'Amazonie, vis-à-vis de la nature, on doit prendre conscience pour ne pas regretter. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 18 petites minutes. Bon, on pourra dépasser un petit peu, quoi, hein, bien naturellement, mais on n'a pas un temps absolument infini. Et donc, on va peut-être
moi, en fait, il y a une question que j'aimerais poser, mais je crois que Rosy Valdo voulait parler. C'est tellement rare des artistes amazoniens qui parlent de leur propre forêt qu'on va lui redonner la parole. C'est juste des choses que j'ai oubliées et à partir de que les amis commençaient à donner son regard, il me vient en tête. Joana, elle a parlé de choses très importantes qui se passent à Tripsi Frontier. En fait, il y a un regard. Il y a un côté politique encore. Né? Monsieur Bolsonaro, il fait des choses complètement bizarres aujourd'hui au Brésil, mais nous sommes complètement engagés à Manaus, au tal de l'Amazonas, et l'Assemblée législative encore là-bas, qui travaille, qui fait une bataille politique toujours pour protéger la forêt. Et l'autre chose qui est très, 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 très importante aujourd'hui no Brésil, principalement au état de Amazonas, nós somos lá depois dos anos 70, nós somos lá um espaço de zona franca, que se instalou lá muito das indústrias de multinacional. E é por isso que se desenvolveu muito, depois dos anos 70, do comércio, de indústria na Amazônia. E isso é de coisas que é muito importante para nós, por guardar a floresta, por qual o povo se engaja a trabalhar dans les industries, dans la ville de Manaus. Quand se passe des choses comme ça, au centre du Brésil, comme Joana était à Rondônia, par exemple, que tout brûle là-bas, c'est justement cette partie que le gouvernement fédéral, à travers de Bolsonaro, qui donne pas de limites pour tous les propriétaires de fermes, pour faire des plantations de soja, de toute quelle agriculture possible. Donc ça, c'est un regard que é très importante de se engajar, de regarder ça que se passa no Brasil. L'autre chose très importante que notre Amazonie, ela é imensa como um continente. C'est praticamente impossível de la police, par exemple. J'ai beaucoup des amis qui travaillent dans la police que il y a uma parte de la police militaire à Manaus qui fait la protection de la forêt, que c'est la police forestal. E ele dit à moi, c'est praticamente impossível de faire ça. Même quand tu fais des groupes avec la police fédérale, avec d'armée encore, c'est impossible de faire. Et c'est pour ça la Tripsi Frontière qui rentre. Toute la drogue qui rentre à l'Amérique du Sud, c'est rentre pour là-bas. Il y a là-bas la Tripsi Frontière, Tabatinga, que c'est le premier, Tabatinga, Benjamin Constant, c'est le premier petite ville de l'Amazonie. Et c'est pour là que commence l'Amazonas être brésilien, avec le nom de Solimões. Mas você passa o mundo de droga, contra l'armée, de arma, contra de tráfico e partout. E você é impossível de fazer a proteção disso. Mesmo que ele é alabado de armée, de polícia federal, de tudo isso. Então, isso é um regar. E quando eu vi aujourd'hui, eu sou très content de estar avec Joana. Pour elle donner son regard, son sentiment de sa vie, de son peuple, c'est exactement pour moi aussi que je né à la ville, j'ai complètement de vie urbaine, mais elle non, elle habite exactement à cette Tripsi Frontière, que c'est là le motif de tout ce qui malade qui rentre à l'Amazonie. C'est exactement cette partie de l'Amazonie qui a besoin d'un regard, qui a besoin d'idées, qui a besoin de tout ça. Alors, peut-être pour finir, il nous reste un petit quart d'heure. Moi, j'ai une question un peu compliquée à laquelle je n'ai pas la réponse. Souvent, ça arrive. C'est parfois les meilleurs. Je vais te demander de traduire, comme ça pourra laisser un peu de temps aussi. De lui traduire à l'oreille, comme ça, pourra laisser un peu de temps à Joana pour trouver ses mots à elle. Et puis, je vais passer le micro à Yann, que je vais prendre comme ça au dépourvu. C'est que peuvent faire les artistes? Qu'est-ce que l'art peut faire dans dans cette histoire pour la préservation de cette forêt? Est-ce que on peut imaginer puisque on est dans un festival musical, est-ce qu'on peut imaginer que
l'art aurait une fonction. Alors, on imagine très bien pour Aurélien ce qu'il peut faire avec une caméra, mais Yann, est-ce que tu as une idée de ce que pourrait être la réponse, ce que l'art peut pour l'Amazonie ? Est-ce que l'art a une fonction ? Oui, de toute façon, l'art a plusieurs fonctions. Il y a des cas, alors moi je vais parler de ce que je connais, hein, de la Guyane, il y a des cas très précis où l'art apporte une visibilité et une sensibilité à un public qui ne se sentirait pas concerné par des documentaires ou qui ne serait pas assez atteint ou touché pour être impliqué socialement, pour être impliqué physiquement, pour être impliqué en termes humains. L'art, alors il y a, c'est une question sans fin, hein, de toute façon, qui est posée. C'est un puits sans fond. Est-ce que l'art a une légitimité déjà Mais l'exemple que tu voulais donner là, c'était. Alors l'exemple précis, c'est en Guyane, il y a un problème. Tellement de problèmes. Il y a un problème au niveau des peuples autochtones qui ont, notamment au niveau de la jeunesse autochtone, qui a perdu foi en l'avenir. Je prends l'exemple des Tekos. C'est un peuple pour lequel le taux de suicide chez les jeunes est le plus élevé de France. Pourquoi ? Parce qu'ils sont étirés entre la technologie, entre les strass et les paillettes que peuvent leur offrir la télévision, et puis le rappel à l'ordre des anciens, des docos, des chefs de tribu qui disent aux jeunes, oui, mais après moi, il n'y a plus rien. Après moi, tu ne connaîtras plus, plus personne ne saura quel type de plante est utile à tel traitement. Après moi, plus personne ne connaîtra les danses traditionnelles, les chants traditionnels, etc. On n'a pas, comme dans le cas des Tikuna, par exemple, chez les Tekos, hein, encore une fois, un liant assez fort pour impliquer la jeunesse. Alors, l'exemple, et j'en viens à l'exemple, il y a une troupe de théâtre qui est venue et qui opère un travail avec une poignée de jeunes. Hein, bon, on est sur des cas quand même relativement isolés, mais avec une poignée de jeunes, une troupe de théâtre strasbourgeoise qui revient régulièrement, tous les ans, pour effectuer un travail et pour faire venir aussi ces jeunes en métropole, pour qu'ils montent d'autres pièces, etc. Alors ça, c'est un cas où on a des jeunes qui voient des personnes étrangères à leur culture, s'intéresser à leur culture, et donc du coup redonner une certaine fierté, redorer un petit peu le blason et relayer la parole des anciens dans ce que la culture traditionnelle ancestrale a de plus important, c'est-à-dire sa préservation. Il y a d'autres cas, et je serai très bref sur les autres cas qui sont autrement plus nombreux de musiciens qui viennent simplement utiliser une image très folklorique pour redorer leur propre blason musical et puis repartir sans donner le moindre coup de fil ou la moindre nouvelle aux peuples autochtones qu'ils sont venus, pour moi, piller tout simplement. De manière plus générale, et je m'arrêterai là-dessus, de manière plus générale, l'art a c'est difficile. L'art a une fonction de porter en fait une certaine parole. Et encore une fois, une partie peut-être de la population peut être sensibilisée par des paroles qui peuvent être toutes simples, hein, mais peuvent être peut-être inclus dans un combat qui n'est absolument pas le leur et pour lequel la seule entrée serait l'art. Alors, sous toutes ses formes, évidemment, moi, je suis musicien, donc je pense à la musique, mais l'art sous toutes ses formes, ça peut être un tableau sur lequel, une photographie sur laquelle on s'arrête et qui nous déclenche quelque chose, en fait, qui nous déclenche un sentiment. Et le sentiment aujourd'hui qu'on devrait tous avoir, c'est un sentiment
d'urgence. Rosivaldo, tu veux prendre la parole ou je donne d'abord à Juena? D'accord, mais je crains que Juena soit très longue. Sur l'apport de l'art dans la question de l'Amazonie. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi-même, je fais ma partie. Quand j'ai décidé de rentrer en France en 2016, que je proposais ce projet qui s'appelle Connexionar, je pense que c'est un regard différent. Et aujourd'hui même, dans les pays, dans le Brésil, je pense que c'est un moment que le propre Brésil redécouvre le propre Brésil. J'ai fait le même projet que Joana fait maintenant, là, qui s'appelle Sonora Brésil. J'ai fait l'édition dernière, c'est moi qui fais, et j'ai parcouru tous les pays. Cet projet, il se passe pendant 2 années. Tu fais une année, tu fais nord, nord-est, centre-ouest, et l'année prochaine, tu fais sud et sud-est. J'ai parcouru tous les pays. Et par exemple, je suis à Manaus ici, et quand tu arrives au sud, Santa Catarina, toute la partie du sud du pays, il connaît rien de ce qui se passe à l'Amazonie. Rien des artistes, de culture, de politique, de tout. C'est comme être l'autre pays, pour nous-mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe à l'Amazonie dans le monde, que tu nous regardes, en fait, il y a des choses, de bonnes choses, il y a des choses mauvaises, mais c'est un regard. Donc, c'est pour nous, c'est très important. Et moi-même, comme je dis, le projet Connexionar propose ça. C'est un projet multiculturel que je propose cette rencontre de France et Manaus, qui dans notre histoire, c'est un rencontre plus proche depuis le 19e siècle, pendant le période du caoutchouc là-bas. Né? Cette époque, Manaus s'appelait Paris dos Trópicos. Né? Então, il y a déjà une liaison plus proche entre France e la ville de Manaus. Então, je pense que, à travers de la culture, à travers de l'arte, à travers de la musique, du théâtre, da dança, da poesia, je pense que nous besoin et nous pouvons faire beaucoup de choses pour ça. Et on me signale qu'on est en train de clore le débat. On est prêt à progresser. Il y a le concert justement de Juena juste après. Donc on va lui donner la parole. Je suis désolé Aurélien, j'aurais voulu. Je t'avais des choses probablement beaucoup à dire. Il y aura probablement un temps où on pourra se retrouver à l'étage au-dessus pour parler. Juste Juena, est-ce que tu peux nous parler du rapport entre l'art et la forêt? Alors, en précisant que je crois qu'il y a 3 minutes maximum. Bon, primeiramente, eu quero dizer que nós temos que proteger a Amazônia. Tout d'abord, je voulais dire qu'on doit préserver l'Amazonie. Temos que proteger a Amazônia para não destruí-la. Ne pas la détruire. Porque ela é nossa. Parce qu'elle est à nous. Porque todos nós somos parentes. Parce que on est tous frères. Irmãos. On est tous frères. Somos filhos da mãe terra. On est des enfants de la terre. Da mãe terra. De la mère terre. O governo brasileiro, o presidente Bolsonaro, que eu digo sempre fora Bolsonaro,
Le gouvernement brésilien, le président Bolsonaro, que moi je dis toujours fora Bolsonaro, dégage Bolsonaro. Porque ele é incentivador, ele motiva mais o que ele é o grande motivador, né? É o que motiva os que querem destruir a Amazônia. Bolsonaro incentiva ceux qui veulent détruire l'Amazonie. Mas nós, povos indígenas, somos resistência. Mais nous, peuple autochtone, nous sommes résistants. Nous sommes la résistance. Vamos continuar lutando pelos nossos direitos. On va continuer à lutter pour nos droits. Vamos lutar pela floresta. On va lutter pour la forêt. Vamos lutar pelos animais. Pour les animaux. Vamos lutar para manter viva a nossa cultura. On va lutter pour garder vive notre culture. A nossa arte. Notre art. É a nossa luta. E notre lutte. É através da nossa voz, do que fazemos, o cantar, da música. Notre musique. A nossa luta é através também da nossa arte. Oui, notre lutte, elle passe par notre art. Notre art, notre culture. A arte, ela pode dar a voz aos povos originários. L'art, elle donne la voix au peuple autochtone. Et voilà. Bon. Et Lula libre. Lula libre. Alors, forcément, on est rattrapé par le temps. Moi, je voulais juste en conclusion parler d'un autre artiste qui n'est pas là, qui s'appelle Pedro Bernal Mendes, qui ce matin a posté sur Facebook que c'était l'un des jours les plus importants de sa vie. Alors, pourquoi Pedro Bernal Mendes a posté ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, c'est donc la fête de la sortie d'une compilation, l'Amazone, sur laquelle il figure. Alors, Pedro Bernal Mendes est un Colombien qui vit à Leticia, une petite ville isolée au bord de l'Amazone, isolée du reste de la Colombie. Et c'est la première fois que sa musique, grâce à cette compilation, arrive jusqu'en Europe. Et pour lui, il a posté un post Facebook ce matin disant que c'était l'un des plus beaux jours, des jours les plus importants de sa vie. C'est pas n'importe qui, Pedro Bernal Mendes. Dans sa ville de Leticia, dans sa région de Leticia, c'est un maestro. C'est quelqu'un qui est une figure locale très importante. Et son post Facebook a eu 200 likes, 50 posts, 50 réactions extrêmement positives. Donc voilà, ce qu'on a essayé de faire avec aujourd'hui, en faisant venir Joena d'Amazonie avec le festival et puis avec la compilation, c'est de donner la parole aux artistes d'Amazonie. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour le faire, on ne l'a pas, mais si vous voulez continuer cette discussion, on vous en prie, on va se retrouver là-haut dans 5 minutes et puis on continue la discussion. Merci à tous et on peut s'applaudir parce que voilà, c'était un beau temps de parole, trop court, mais merci à tous.